Bonjour à tous, on se retrouve sur un épisode un peu particulier vu que c'est un timelapse, c'est-à-dire que tout en jouant je vais construire et vous allez voir l'évolution. Donc là vous me voyez mais il faut savoir que c'est juste pour modifier le terrain, c'est-à-dire la zone que vous voyez là. Mais ce sera pas permanent, la suite du timelapse se passera avec des séances où je construis et ensuite je filme après la construction. Alors du coup je fais ça en plusieurs étapes et vous voyez l'évolution du bâtiment, même si c'est pas tout à fait en direct. Alors, pour l'instant, voilà quoi, je vous laisse sur ce petit début de vidéo et puis on se retrouve après. Pour faire le commentaire. Ici, vous pouvez voir les fondations de ce qui va être prochainement l'église, le lieu de culte. Alors, j'essaie de faire en forme de croix, assez sobre pour un gros truc phénoménal. Là, vous voyez, j'ai monté les murs, quelques piliers, pour essayer d'avoir une idée de la forme que ça aura, et puis avoir des idées sur la structure, la future structure. Alors là, il y a plus de murs évidemment. J'ai commencé un petit peu l'entrée pour avoir une idée
de comment faire le tour. Et puis comme vous voyez là, ça ressemble à peu près à ce cœur de l'entrée. Donc j'ai voulu faire un peu de décor sur l'extérieur, mais bon, je vais pas m'attarder dessus, c'était vraiment pour voir comme ça l'étendue de la structure que j'ai commencé. Et à l'arrière, vous voyez, il y aura bientôt une baie vitrée, enfin énorme, qui donnera un accès sur l'arrière. Donc j'ai reporté le pattern des murs de ce côté-là. Rien de passionnant, c'était juste refaire la même chose. Bon, là ça commence à pas prendre de la forme, on arrive sur le deuxième niveau. Là pareil, il faut faire les structures et donner une sorte de pattern pour les murs du premier étage. Donc je me suis attaqué directement au toit, parce que dans une vision un peu plus éloignée, ça nous donne plus, enfin on voit plus lointain quoi, on voit plus loin. Donc voilà quoi. Alors là j'ai voulu faire un balcon. J'ai voulu essayer de voir un truc, mais vous verrez plus tard, ça ne restera pas. Donc on arrive presque à la fin là. J'ai fait la tour, le clocher, avec la cloche à l'intérieur, le petit toit du clocher, qui rend pas mal, moi je trouve, j'aime bien. Là du coup on va s'étendre, on va faire la place. Alors vous voyez l'espace d'eau qui est entre les deux blocs, enfin les deux trucs de terre, je vais l'aplanir. On va retirer l'eau et vous allez voir ça. Donc voilà, comme je vous disais, on a mis de la terre, j'ai prolongé un peu l'escalier qui mène vers le lieu de culte. Et puis je vais m'attaquer au sol de la place dans le premier temps. Donc voilà, vous voyez une petite partie. Alors le truc, c'est des demi-dalles au niveau inférieur. Donc là, c'est pas tout... Si, c'est les demi-dalles sur les côtés qui sont un peu trop hauts. Je vais les rebaisser, vous allez voir. Voilà, là la place est pratiquement terminée. Alors ici, je vais faire c'est une sorte de terrasse d'une auberge. Il y aura les tables pour manger, pour boire. Alors on voit un petit début d'escalier qui va être modifié de temps en temps, parce que je n'aurais pas eu trop d'idées comment faire. Donc comme je vous disais, voilà, voici les tables, le comptoir de la cuisine. Alors ça me prend l'intérieur, mais il faut savoir que je vais pas aménager les intérieurs sur ces bâtiments là. Donc pareil comme l'église, je fais la structure pour voir à peu près de loin, puis pareil le toit, la toiture, qui d'ailleurs qui va être modifié, puisque je vais incorporer des fenêtres, vous allez voir. Donc voilà quoi, ici j'ai mis tous les murs, quelques fenêtres à l'arrière. Vous pouvez apercevoir vite fait que c'est à l'intérieur, j'ai rien fait. Et l'escalier aussi que j'ai modifié, pas mal de fenêtres. Et puis là, j'améliore, je rajoute des fenêtres sortantes des toits, une grande fenêtre vitrée, des petites fenêtres aussi à l'étage.
Et là, je vais m'attaquer une sorte de muret sur le long. Voilà, vous voyez un peu l'évolution. Oui, il sera pas très grand, mais il s'arrêtera comme ça. C'est un pattern assez simple que j'aime bien. Alors là, je vais faire une... je vais remplir le sol. Pour y faire la mairie. Entre temps, j'ai refait un peu la place et puis j'ai incorporé une montagne. Donc il faut savoir que j'ai dû refaire cette vidéo parce que je l'avais perdue. Alors si vous voyez les bâtiments, c'est un peu du spoil, mais vous inquiétez pas, ils vont redisparaître sur la prochaine vision. Voilà. Donc là, je m'attaque à la mairie. Alors, j'ai fait pas mal d'essais pour savoir à peu près comment la faire, de quel sens. Il y a eu pas mal de modifications de fait dessus. Bon, alors là, j'ai fait tout le devant, l'arrière, il n'y a rien de fait. Mais ça sera arrangé après. Et... Alors, j'ai fait directement les fenêtres sortantes des toits, les fenêtres. C'est vraiment... je me suis vraiment focalisé sur la façade. Alors j'ai mis quelques décors, des pots de fleurs, j'ai fini l'arrière de la mairie, des petites fenêtres standards comme les autres. Voilà, et puis pas mal de fleurs un peu partout parce que c'est pour avoir de la gaieté. Alors là j'ai fait une petite place qui sera plus tard un potager. Vous verrez ça. Alors là un petit pont qui va aller de l'autre côté avec... des futures fondations pour des maisons des villageois. Ce sera des maisons assez collées. Alors là vous voyez les murs, mais du coup vous verrez que ça parce qu'après je vais passer directement sur une vidéo et je vais vous laisser admirer tout le village et ainsi que la petite ferme qui a été faite au préalable.
Donc voilà, je vous retrouve et puis j'espère que ça vous a plu et puis moi, je vous dis à la prochaine.